Rudy, marié au premier regard, en couple ou célibataire? Il répond. Le candidat de marié au premier regard 2020 a-t-il trouvé l'amour depuis la fin du tournage? Sur Instagram. Rudy a répondu à l'occasion d'une session de questions/réponses. Situation inédite cette année, dans Marié au premier regard 2020. Sarah, une gestionnaire de paix de 32 ans, était compatible à 78% avec deux hommes, Sylvain, un chauffeur de 33 ans, et de Rudy, un agent commercial de 36 ans. Après avoir reçu deux lettres dans lesquelles elle a découvert les qualités et les défauts de chacun, la belle brune les avait rencontrés à l'aveugle. Au final, elle avait pris la décision de ne pas poursuivre l'aventure avec Rudy. À la suite de la diffusion de l'épisode, lundi 13 janvier, le candidat a évoqué sa vie amoureuse. Sarah n'a malheureusement jamais pu rencontrer Sylvain. Après le décès de sa maman survenu au moment du tournage, il n'a, en toute logique, pas souhaité poursuivre l'aventure. La production a alors proposé à la jeune maman, d'une petite fille de 6 ans et demi, de s'unir à Rudy, mais elle a refusé. Depuis, les deux participants se sont rencontrés et entretiennent une belle amitié. J'ai rencontré Rudy en même temps que d'autres candidats de Lyon de cette saison. Rudy et moi sommes simplement amis, il n'a jamais été question d'une quelconque relation amoureuse avec lui, avait-elle confié à Télé Loisirs. Sur Instagram, son ex-prétendant a également assuré qu'il n'entretenait aucune relation amoureuse avec Sarah. En story, il a même admis auprès de ses abonnés qu'il était toujours un cœur à prendre, « J'ai l'impression que l'amour ne veut pas de moi. » Mais gardons espoir. Rudy espère en effet trouver chaussure à son pied prochainement. Dans son portrait, il confiait que c'était difficile pour lui, car les femmes le voyaient comme un coureur de jupons. La raison? Il a deux enfants de deux mamans différentes. Mais peut-être ses admiratrices le verront-elles d'un nouvel œil après cette aventure.